Bonjour et bienvenue dans ma cuisine autour du monde. Aujourd'hui, je vous prépare un plat d'origine vietnamienne, très influencé par la cuisine française et aussi la cuisine chinoise. Bien que ce soit très connu au Vietnam, c'est plutôt au Cambodge que cette recette-là est très populaire. En réalité, c'est dans un restaurant cambodgien que je l'ai découvert. C'est un bœuf Loc Lac. Loc Lac, c'est l'action de faire sauter, de remuer ou d'agiter, puisque c'est ce qu'on fait avec le filet de bœuf, qui est l'ingrédient vedette pour ce plat. Vous pouvez utiliser aussi du faux filet, mais assurez-vous d'avoir une coupe assez tendre. Ces temps-ci, en épicerie, lorsqu'on veut acheter du filet à bon prix, on nous vend toujours un filet entier ou un demi-filet. Donc, ça arrive parfois qu'on se ramasse avec des petits bouts avec lesquels on ne peut pas vraiment faire de médaillon. C'est ce qui m'est arrivé, donc j'ai décidé de faire cette recette-là. Et vraiment, c'est un plat très facile à réaliser, mais vraiment savoureux. Il y a aussi plusieurs façons de le préparer. Donc, n'hésitez pas à laisser votre commentaire. Si jamais vous le faites un peu différemment, ça va me faire plaisir de savoir votre version à vous. C'est un plat que ma famille et moi affectionnons particulièrement. Donc, sans plus tarder, allons-y!
Alors, c'est maintenant l'heure de la dégustation. J'y vais tout de suite, sans tarder, avec un morceau de viande. C'est sûr, hein, le filet mignon, c'est extrêmement tendre. Mais contrairement à d'habitude, il y a vraiment beaucoup de saveur. Le poivre, l'ail, la marinade a parfaitement fait son travail sans enlever le goût naturel du bœuf. Maintenant, je vais goûter le riz aux tomates. C'est un complément parfait avec le bœuf. Évidemment, ne nettoyez surtout pas votre poêle. C'est ce qui rend le riz absolument délicieux, d'avoir récupéré tous les jus de cuisson à l'intérieur. Même que quand j'ai fait reposer ma viande un petit peu avant de la manger, parce que je voulais justement utiliser la poêle dans laquelle avait cuit la viande, il y a des jus aussi qui sont sortis de la viande et je les ai aussi ajoutés au riz. Faites attention par contre que votre poêle soit pas trop chaude pour pas faire brûler les sucres de cuisson. C'est un vrai délice. Vous pouvez aussi tremper dans la petite sauce citronnée. Ça ajoute une autre couche de saveur qui est vraiment très agréable. C'est vraiment un plat super bon à faire absolument. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer le petit bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'idées, recettes et découvertes dans ma cuisine autour du monde. À la prochaine fois! Écoute comment mon cœur est immense.